Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter un produit de chez Rad Coutellerie. C'est un kit allume-feu extrêmement bien conçu. C'est un accessoire qui devient quasiment indispensable aujourd'hui quand on s'intéresse au sujet de la survie. Donc on va faire un petit tour ensemble. Voilà. Donc l'avantage de ce kit-là, il existe aujourd'hui plein de références de kits de survie, comme ça, de kits allume-feu. Vous allez pouvoir dévisser le dos pour y trouver une boussole et également un compartiment, juste là, qui va vous permettre de ranger des micro-accessoires qui pourraient vous servir toujours sur le même thème. Alors aujourd'hui, il y a plein de thèmes qui tournent autour de la survie et j'ai d'ailleurs du mal à faire énormément de différences entre chaque, que ce soit le bushcraft, la survie, le survivalisme, on en parle beaucoup en ce moment, il y a énormément de vidéos, d'accord. La seule chose que je sais, c'est que le point commun qu'il y a entre tous ces thèmes-là, c'est qu'on a toujours besoin de faire un feu à un moment de l'aventure, que la situation soit critique ou pas, on a toujours besoin de faire un feu et c'est vrai que l'avantage de ça, c'est que ça vous permet de faire un feu d'une façon extrêmement facile. Une fois que vous avez réuni tous les bons éléments, on a un départ de feu très rapide avec ça. Donc, je vous ferai une petite démonstration, on sera en intérieur, mais c'est pas vraiment grave, ça marche quand même. Avec de la laine d'acier très fine, parce que je sais que les départs de feu peuvent se faire avec de la laine d'acier, du coton, et tout ce qui est feuilles mortes toute autre matière qui marche très bien aussi. Donc, ça prend pas de place, d'accord ? Si vous partez, si vous voulez partir pendant plusieurs jours à l'aventure avec le sac sur le dos, ça se range facilement. Je vous conseille de l'avoir sur vous, même si vous ne voulez pas l'utiliser. Si vous partez réellement à l'aventure, je sais que certains veulent des fois allumer le feu d'une façon plus traditionnelle, d'accord, avec les moyens du bord. Faites-le. Maintenant, si vous n'y arrivez pas, ça vous permet de passer sur une autre solution. Le plan B, on va dire. Et donc ça peut être intéressant. Maintenant, si on est vous êtes dans des conditions de survie, c'est-à-dire pas forcément choisi, vous n'êtes pas forcément avec ça sur le, vous n'avez pas forcément ça sur vous. Essayez de peut-être avoir cet outil-là rangé dans un endroit ou sur un accessoire que vous avez les chances d'avoir sur vous régulièrement. Un porte-clés, une sacoche, ou vous le greffez quelque part, je sais pas. Bon, bah écoutez, voilà. Donc c'était l'histoire de partager ça avec vous, un petit accessoire très compact, relativement accessible, en plus. Donc que je vous conseille d'avoir sur vous quand vous partez à l'aventure. Petit test. Là, j'ai de la laine d'acier très fine, d'accord. Donc petit test, si vous voulez voir au niveau de l'allumage. Donc avec la laine d'acier, ça marche très bien également.